Alors, pour déclencher le mécanisme de l'horloge, pressez le bouton. C'est ce qu'on fait. Ici, on a donc l'échappement électrique en accéléré. Et ici, on va avoir les bras qui vont correspondre au ding-dong du car. Ici le ding, ici le dong. On va les compter. On fonctionne quart d'heure par quart d'heure. C'est parti. Donc ça, c'est un ding. Et ça, c'est un deuxième ding. Donc on a donc ding-dong, ding-dong. On va passer au quart suivant. Voilà, donc on passe de 9h15 à 9h30. On fait donc un quart d'heure en peu de temps. On va compter les ding-dong. C'est parti. Ding. Ding. 2. 3 ding. 3 ding. Donc sur la demi, on a 3 ding-dong. Pourquoi pas? Et bien on recommence. Donc cette fois-ci, on va de la demi à 3 quarts. Petite vue sur l'échappement. Et on attend les sonneries de 3 quarts. C'est parti. Premier ding. Deuxième ding. Troisième ding. Quatrième ding. Pourquoi pas? Voilà. Donc maintenant, on fait la suite. Donc la suite, c'est moins le quart jusqu'à l'heure. Donc là, en plus, il faudra compter les sonneries des heures, donc 10 coups. Il faudra donc rajouter, on va voir, se rajouter 10 coups par rapport au carillon. Un ding, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est que lui, il continue son aller-retour aussi. Hein. Donc c'est 14 ding-dong, quoi. Bon, difficile à comprendre. Il faut savoir que là-haut, il n'y a qu'une seule cloche. Donc, censé, avec un ou deux marteaux, je ne sais plus. La seule cohérence, c'est tout à l'heure, pour 9h, tu avais 13 coups. Et là, pour une heure plus tard, tu en as 14. Oui, c'est normal. Un plus. Oui, ça, c'est normal.